Une petite bouteille d'eau, éventuellement un tapis. Ce n'est pas vraiment nécessaire hein, si vous êtes en extérieur. J'ai juste mon écran et on va démarrer dans 2 minutes. Non, c'est pas bon. Voilà, alors, ça ne me paraît pas trop mal. Ok, alors, là, c'est parti. Alors, on va partir sur 30 minutes de HIIT. On va démarrer tranquillement hein, par de la mobilité articulaire. Et puis après, on a pas mal de gainage. On a 2 gros blocs de travail assez intenses. Donc, surtout, allez à votre rythme. On travaille au chrono. Donc, sur 30 secondes, c'est à vous de mettre l'intensité qui correspond à votre niveau, à votre état de forme. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Vous pouvez aller plus ou moins vite. Mais l'essentiel, c'est vraiment de travailler pendant les 30 secondes, pendant les 30 secondes, en continu et à l'intensité que vous aurez choisie en essayant quand même de se dépasser un minimum. Voilà, alors je démarre mon chrono et on va commencer là tranquillement en pointe de pied. 1, 2, 3, 4, poussez bien fort. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On relâche là en point de talon. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Là, et on reprend. Là, sur une jambe cette fois. 1, 2, poussez vers le haut. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On change de jambe. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence là en point de talon. Et on va le refaire une dernière fois. Là, en allant un peu plus vite, un peu plus haut. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Poussez bien fort. 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Serrez vos pieds et la petite flexion. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur les côtés, 1, 2, on garde le dos droit. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va écarter les jambes, jambes tendues. Là, on fléchit. On touche le pied opposé. En patineur, on garde le dos droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche la rotation du bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On écarte un peu plus, on garde les jambes tendues, le dos droit et là des grandes rotations. 1, 2, regardez droit devant, 3, 4, 5, 6, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reste là. On va chercher sur les côtés là. Le buste bien droit. On ne penche pas vers l'avant. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche là. On ouvre. Ouverture du bassin. On lève bien le genou. On alterne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Dans l'autre sens, là, on ferme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, on lève les genoux sans sauter. 1, 2, 3, 4, levez bien haut. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. En talons-fesses, là, sur place. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. OK? Là, épaule vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5 vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. On écarte légèrement les jambes. Là, on va fléchir le buste vers l'avant. On garde les jambes tendues. Et là, on se redresse. On pousse légèrement le bassin vers l'avant. Allez, 1, jambes tendues. 2, 3, on garde le dos bien droit. 4, 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, on fixe le bassin, jambes légèrement fléchies. Et la rotation du buste des épaules. La tête suit la main qui va en arrière. 3, 4, ouvrez bien. 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, on commence à sautiller. Là. Et la rotation des bras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, ciseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste là. Bras tendus, hauteur des épaules. Et on vient toucher alternativement les épaules. Les coudes restent bien à hauteur des épaules. On est bien alignés. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut et on ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Là, on pousse devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, on tend les bras et là, on fléchit le coude, on va toucher derrière la nuque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, on dissocie vers l'avant. Là encore. Et vers l'arrière, beaucoup d'amplitude, on garde les bras tendus. OK, on relâche là les coudes. Dans l'autre sens. Les poignets. OK. Et là, on va lancer son bras vers l'arrière. On fléchit, on frôle le sol et on inverse. 1, 2, gardez le bras bien tendu en allant vers l'arrière. 3, 4, 5, toujours en se tirant. 6, 7, 8, 9, et 10, les deux bras vers l'arrière là, et 1, 2, 3, 4, bras bien tendus, 5 et 6, on relâche à genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, l'autre jambe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, devant, côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, côté uniquement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Là, petit talon fesse. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relâchez là en point de talon et en petit ciseau. On tire sur les bras. 1, 2, regardez droit devant. 3, 4, tirez les épaules en arrière. 5, 6, 7 et 8. On relâche. Là, les petites montées de genoux. Là, toujours dos droit, épaules vers l'arrière. Là, on commence à mettre un peu de rythme.
et on relâche. Une deuxième fois, un peu plus d'intensité. Là. Allez, on maintient, serrez les abdos. Encore. 3, 2, 1. On relâche. Là, point de talon. On va le refaire une troisième fois. Allez, encore. Allez, allez, allez. On met un peu plus de rythme là sur les 4 dernières secondes. Allez. Ok, relâchez. Ok. Vous pouvez souffler. Mince. Ça va couper. Je vais juste tout rebrancher. J'ai mon chargeur qui se dé. Ok, on va attaquer tout de suite. Là, en position de planche. Là, on va descendre sur les mains. Et on arrive là, on fixe. On a les bras bien tendus. Là, on serre les abdos. Serrez les fesses, gainez les bras. On va rester ici fixe quelques instants. Allez, encore 5 secondes. On tient. Si c'est trop dur, vous pouvez poser les genoux hein, sur certains mouvements. On se redresse là en marchant sur les mains. Et on y retourne. On se replace là en planche. Et dès qu'on y est là, on commence en touchant les épaules. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serrez les abdos. 10, 11 et 12. On se redresse là et on y retourne. Pareil, vous pouvez poser les genoux si c'est trop dur. Et là, on va tendre les bras devant et revenir sans pivoter. On essaye de rester bien droit. Là, vous pouvez écarter légèrement les jambes. 1, 2, restez bien aligné. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On marche sur les mains, on se redresse et on y retourne. On se replace en planche et là, écarté serré pour 12. 1, 2, 3, 4, faites-en moins si c'est trop dur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On marche sur les mains pour se redresser. On récupère un peu, on redresse les épaules et on y retourne. Là, ok, on est placé. Là, on va partir en mountain climber. Si vous ne pouvez pas sauter, on le fait là en marchant, on décompose. Allez, c'est parti pour 12. 1, 2, 3, 4, 5, le dos droit, 6, 7, les épaules au-dessus des mains, 8, 9, 10, 11 et 12. On se redresse, là, et on y retourne. Cette fois, pour un militaire, on descend sur les coudes, là, 1, 2, on change à chaque fois de main, 3, 4, 5, allez, 6, poussez bien fort. 7, on serre les abdos. 8, on alterne, on descend. Une fois, main gauche. Une fois, main droite. Encore 11 et 12. On marche sur les mains. Là, on se redresse et on va descendre pour le dernier. Ici, on est bien en planche. On va se placer sur les coudes. Là, et on va pousser d'avant en arrière. 1. 2, serrez les abdos, 3, 4, 5, 6, 7, on a le dos bien droit, 8, 9, 10, 11 et 12. On se redresse, là, redressez-vous. Et on a 15 secondes avant de démarrer le bloc. Alors, on a un bloc de 10 minutes de travail, 30 secondes très actif, 30 secondes. En récupération passive, donc c'est comme d'habitude, on sautille, on marche, mais on bouge, d'accord? Il n'y a pas de récupération complètement passive. Surtout, vous ne vous asseyez pas. Voilà, dans 45 secondes, on démarre le bloc complet. On va avoir deux blocs de 10 minutes d'une section gainage comme celle-ci. Donc, ce qu'on vient de faire là, en gainage avec la chenille, on va le refaire tout à l'heure entre les deux blocs. Vous pouvez commencer à sautiller. On va démarrer
dans 20 secondes. Et là, pour le premier mouvement, je vais vous demander ici, là, de faire des montées de genoux en latéral. Là, préparez-vous. Dans moins de 10 secondes, donc on est là, on balaie de gauche à droite, de droite à gauche. On serre les abdos et on tire sur les bras. Attention, c'est parti. Là, on lève bien les genoux et on balaie de l'autre côté. Allez, encore. Là, bien droit, tirez les épaules vers l'arrière. On lève bien les genoux. Allez, on a fait la moitié. On continue. Allez, allez. Levez bien haut. Exception légère sur la pointe des pieds. Allez, encore 5 secondes. On continue. Allez, 3, 2, 1 et on relâche. Là, tranquillement. On récupère. Prochain mouvement. On part en arrière. On va faire 3 sauts de grenouille. Là, on se redresse petit pas. Fléchis sur les jambes. Le dos bien droit, bien aligné. Là, je descends. Ici. 3 sauts en avançant. On recule en petit bas. À votre rythme. Attention. C'est parti là. 1, 2, 3. Je recule en petit pas. Et on y retourne tout de suite. Allez. On descend bien sur les jambes. Là, poussez fort sur les petits sauts. Allez. Encore. On a fait la moitié. Là, on pousse. On va de plus en plus loin sur les sauts. Toujours pointe de pied. Là, et je descends. Là, fléchis sur les jambes pour reculer. On ne se redresse pas complètement. Dernier. Ok, relâche. Prochain. On va être au sol, là, sur un double montagne. Ici. Si c'est trop dur, là, je me fais en marche. Ou j'en fais un simple sans les doubles sauts. Continuez à sautiller. On descendra 5 secondes avant. On récupère. On se place au sol. Là, en position de planche. Attention, c'est parti. Là, en double montée. On est solide sur les bras. Là, on gaine bien les abdos pour ne pas creuser le dos. Et on pousse. D'accord? On est là sur 30 secondes. C'est à vous de mettre la cadence qui correspond à votre niveau. Allez, 10 secondes. Encore. 5. Ok. On relâche. Là, tranquillement. On récupère. Là, relâchez les bras. On continue à bouger. On marche là. Si c'est trop dur, bougez. D'accord? Pour les autres, on sautille. On essaye au maximum de rester actif. Pour le prochain, on va être là, sur des petits pas, à top, saut étoile. Attention, c'est parti. Petit pas, on garde le dos droit. Là, tirez les épaules vers l'arrière. On met de l'énergie, top, là. Et on reprend. Allez, mettez de l'énergie. Pointe de pied, on pousse, on pousse, on pousse. Top. Encore. Allez, allez, allez. Top. Et on reprend. Allez. Encore. Top. Allez. Dernier. Top. Et on se tire. Prochain. On va être sur le côté là. 4 montées de genoux. Ici. 1, 2, 3, 4. Pas chasser bas. 1, 2, 3, 4. Ok. Et on balaye de gauche à droite, de droite à gauche. Vous connaissez. D'accord? Là, attention, on démarre dans 5 secondes. Préparez-vous. Top, c'est parti, là. Pardon, je me suis trompée, là. 1, 2, 3, 4, pas chassé. 1, 2, 3, 4, là. 1, 2, 3, 4, et on décale. Allez, 4 montées de genoux bien dynamiques. Et 2, pas chassé. 1, 2, 3, 4, et on décale encore. 2, 3, 4, bam! Tout de suite, on est réactif. 1, 2, 3, 4, et là, dernier. Ok, relâchez. Prochain, on va être sur un coup de genou opposé là en diagonale.
toujours. Même côté. Et quand je vous dis, on change de diagonale. Attention. Récupérez. On part dans 6 secondes. Commencez par le côté que vous voulez. Attention, c'est parti là. On lève bien le genou. On tire le coude. Là, on vient presque presser le coude à l'extérieur du genou. Et quand je vous dis, on change de côté. Attention. Top, on change là. Tout de suite. Allez, mettez du rythme. Allez, allez, allez. Encore. 5 secondes comme ça. On continue. 1. Soufflez. On sautille. On relâche. Bah, tranquillement. Prochain. Regarde. Prochain. On part en burpees. Ici, là. Tranquille. Quand on est là, écarté, serré. Et je redescends. Là. Écarté, serré. Et on y retourne. Si c'est trop dur, on fait juste saut, écart. Saut, écart. D'accord? Sinon, on fait le burpees complet. Attention. C'est parti. Burpees. Je monte, j'écarte, je serre et j'y retourne. Là. Bam. Et j'y retourne. On saute, on écarte. Et on redescend. Là. Encore. On lance bien les jambes en arrière. On serre les abdos. On est bien gainé. Solide. Toujours sur la pointe des pieds. Allez, encore 5 secondes comme ça. Accrochez-vous. On a presque fini notre bloc. Top, soufflez. Ouf, j'ai dépassé un peu, désolé. Prochain. Continue à bouger. On va faire au niveau des jambes. Là, un petit ciseau. Et au niveau des bras, on va tendre. On va aider direct. Là, on tire bien. On engage les épaules. Et ce sera notre 8e. 8e exercice sur 10. Attention, on va commencer. C'est parti là. Allez, ciseaux. Encore, on continue de tirer bien sur les bras. On est sur la pointe des pieds. On met du rythme. Là, tirez sur les épaules. Engagez bien. Allez, encore. On ne baisse pas la cadence. Les mains viennent au visage. On ne descend pas les poings plus bas que le nez. Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Soufflez, sautillez. Là, on continue à bouger. Sautillez correctement. Prochain, un peu de coordination. Alors, vous allez commencer là en écartant. Je décale, je frappe. Là. Pas chasser au niveau des jambes. Et je tends le bras. Là. On va faire ça, je vous le fais au ralenti. Et on va augmenter la cadence. Attention, c'est parti. Là, on pousse sur une jambe. On tend un bras. Allez. On est sur la pointe de pied. Tirez bien les poings. On fléchit légèrement les jambes. Allez, encore. On danse. Allez, allez. 10 secondes. Accrochez-vous. On ne baisse pas la cadence. Allez. 5 secondes. Tendez bien les bras. On tire bien sur les épaules. Ok, relâchez. Dernier. On reste sur des petits mouvements de boxe, de coordination. On va là. Mettre sa garde bien montée au visage. Même si vous ne faites pas de boxe, ce n'est pas grave. On n'est pas sur de la technique. Continuez à sautiller. Et là, on va se déplacer. 2 ou 3 pas chassés. Là, 1, 2, 3. Je décale. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. OK. On continue. Attention, top, c'est le dernier. 1, 2, 3. On met de l'intensité. Là, 1, 2, 3. Et on décale. 1, 2, 3. Je décale. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, 1, 2, 3, peu importe avec quel bras on commence. L'important, c'est de mettre du rythme. 1, 2, 3, allez. Bam, 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 on ne s'embête pas pour la technique. D'accord? Là, on met du rythme. 1, 2, 3, encore. Dernier. Ok, on se tient. Relâchez tranquillement. Là, on finit nos 30 secondes en se tient. Petite pause.
et on reprend. Là, on récupère 15 secondes. Relâchez. Continuez à bouger, ça fait partie de la séquence de 10 minutes. Hein. Là. Et on boit une petite gorgée. Là. On va réattaquer sur une petite séquence. Gainage. Là. On se replace. Et on descend sur les mains. La planche. Fixe. Une jambe, là, vous levez une jambe. On serre les fessiers. On a la jambe bien, le pied fléchi. Encore, on résiste. 3, 2, 1, on inverse. Allez, accrochez-vous. Encore, on change. Encore, on change. Là, dos bien droit, les mains solides. Les doigts écartés, on pose. On reste là, on va tenir. Là, encore un petit peu avant de se redresser sur les mains. Et là, on marche. On récupère un petit peu. Et on y retourne. La planche. On va avancer les deux mains. Puis les reculer en quatre temps. Allez. 1, 2, 3. On va jusqu'à 10. 4. À vous d'ajuster. 5. 6, 7, encore, 8, 9 et 10. On se redresse, là, on récupère et on y retourne. Ici, on va se placer sur les coudes. Là, une fois qu'on est bien posé, on va maintenir, serrer les fessiers. On serre fort là les abdos. Et là, on va aller chercher sur les côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se redresse. Et on va... Et vous pouvez boire une petite gorgée. Et dans 15 secondes, on repart. Alors... On va commencer à sauter. Prochain, on va aller chercher là, les chevilles, à votre rythme, attention. C'est reparti. Allez, on garde le dos bien droit. Si c'est la cheville qui monte, c'est pas le buste qui se baisse. Si c'est trop dur, vous pouvez le faire un saut sur deux. Allez, on continue. On serre bien fort les abdos. Là, vraiment, on a besoin de solliciter la sangle abdominale pour que ça fonctionne. Allez, encore, 5 secondes. On continue. Allez, allez, allez. Ok, relâchez. Ici, tranquillement. On récupère. Récupérez bien. Prochain. On va être sur montée de genoux, là. Et on va boxer en haut. On tire les bras. Et je vous donnerai des petits temps où on fera des légères accélérations. De 3-4 secondes. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais si vous avez envie de transpirer un peu, c'est le moment. Allez, c'est parti. On est là. On lève bien les genoux. Comme tout à l'heure. On serre bien les abdos. Allez, on accélère. Ah. Et on reprend. Normal. On serre les abdos. On accélère. Allez, allez, allez. Normal. Normal, il y a du rythme. Hein. Allez, top. Allez, allez, allez. Normal, très rythmé. Et on relâche. Là, tranquillement. Prochain mouvement. Alors, je vous annonce tout de suite, on va dépasser les 30 minutes. Je suis désolée. On va faire plutôt 35. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Allez. Et je ne peux pas arrêter le bloc avant la fin. Prochain. On va faire des petits pas et vous allez me suivre. On va avancer, aller sur le côté, etc. Attention. Top, là, petit pas, on tape fort. Là, sur le côté. On va dessiner un carré. On recule. On descend bien sur les jambes. Allez, côté. Côté, on avance.
par côté. On recule. Allez, allez, allez. On reprend. Allez, 10 secondes. On reste place. Et on met du rythme. Allez, encore. Allez, 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 allez. Allez. Encore. Et on relâche. Là. On récupère tranquillement. Prochain. On va être au sol. Ici. Je vais vous demander, continuez à sauter pendant mes explications. On va faire 3 sauts sur place là. 1, 2, 3, planche. Si c'est trop dur, vous faites juste 1, 2, 3, on pose, vous descendez, vous revenez et vous reprenez les petits sauts. On descend, attention, c'est parti là. 1, 2, 3, je pousse en planche, je serre bien les abdos. Petit saut, on saute bien haut pour solliciter un vrai travail au niveau des jambes. Et on serre fort les abdos quand on lance les jambes en arrière. On ne creuse pas le dos. Allez, encore. Allez. 5 secondes. On continue. 3. Allez. Encore. Dernier. Et on se redresse là. Vous pouvez relâcher ici. Tranquillement. On relâche les bras, les jambes. Prochain, on va être là. Écarté, serré, on pousse avec les bras. Une fois devant, une fois en haut. Là, toujours sur la pointe des pieds. Et si vous voulez travailler un peu plus, quand on descend, on peut fléchir un peu sur les jambes et être sur la pointe des pieds. Allez, c'est parti. En haut, devant. Allez, on met du rythme. Tendez bien les bras. On inspire, on expire. Allez. Encore. On met du rythme. Allez, on essaye d'accélérer pour les 10 dernières secondes. Allez, encore. On a encore des ressources. D'accord? Donc, on y va. Allez. Encore. 2. 1. Relâchez. Là. On sautille. Ici. Prochain. Un peu costaud. Désolée, je mets mon chrono. Prochain, on va faire des petits pas. Et à mon signal, on va faire soit un saut groupé, ici, si c'est trop dur, juste un petit saut. Attention, pardon, 5 secondes, 2, 1, c'est parti, là, petit pas. Et à mon signal, un saut, extension groupée, top, là. Allez, on reprend. Allez, 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 allez. Top. Là. Allez, encore. Encore, 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 encore. Top. Allez. Petit pas. Petit pas, petit pas. Top. Allez, on reprend. Top. Sautez. Récupérez. Là. On relâche. Prochain. On va se mettre ici. En planche. Et là, on va être en talon-fesse. Si c'est trop dur, je lève une jambe après l'autre. OK? Continuez à bouger. Je vous préviens 5 secondes avant de descendre. On se place. Là, en position. Attention. Et c'est parti. Là. On garde le dos droit. Solide sur les mains. Pointe de pied. On serre les abdos. Et on met du rythme. Allez, encore. Encore, encore. On continue. Allez, accrochez-vous. Allez, il nous reste 10 secondes. Encore un peu. 5 secondes. On ne baisse pas le rythme, on s'accroche. OK. Relâchez. Là. Prochain. On va être là, sur une montée de genoux. On va tendre les bras. Et là, ici, toujours la même jambe. Et à mi-parcours, on inversera. Récupérez, on repart dans 10 secondes. Là, relâchez. Attention. 5, donc toujours la même jambe. On se prépare. Et là, c'est parti. La même jambe, on frappe. En haut, en bas. Allez, encore. Allez, allez, allez.
continue. Tension va bientôt changer. C'est parti, tout de suite. Là, on ne perd pas de temps. Allez, encore. Allez, allez, allez. 5 secondes. Continue. Ok, relâchez. On récupère. Là, tranquillement. Prochain, on va être sur des squat jumps là, ici, on garde le dos droit, on est sur la pointe des pieds, on tire les fesses vers l'arrière, là on regarde droit devant, tirez les épaules en arrière, on serre les omoplates, attention, c'est parti, là, garde le dos droit, toujours, on est en réception, pointe des pieds pour repartir tout de suite, là, on fléchit dos droit, allez encore. On inspire, on expire en descendant. Allez, c'est pas le plus compliqué celui-là. Hein. On continue. Allez, 5 secondes. C'est l'avant-dernier. Allez, 3, 2, 1, relâchez. Le dernier. On va, comme tout à l'heure, position de boxe. On était sur 3 directs. Je vais vous en demander 5. Donc, je suis là. Je me déplace. Pas chassé. Fléchis sur les jambes. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Là. 1, 2, 3, 4, 5. Si vous le pouvez, vous démarrez avec le bras qui est à l'intérieur. Donc, je décale ici. Là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est parti. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On continue. Allez, on met du rythme. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, allez. Encore. 4 secondes. Allez, allez. Ok, relâchez. On se tire. Pointe, talon. Voilà, tranquillement. Relâchez. On récupère. Là, on est toujours dans notre bloc de 10 minutes. Hein. C'est comme tout à l'heure. Il nous reste là, quelques secondes. Relâchez ici en twistant. Là, on relâche le bassin, les bras. Là, tranquillement. On relâche tout là. Relâchez les bras, les épaules. On fait passer le poids d'une jambe à l'autre ici. Là, en relâchant le tout. Et on va doucement ralentir. Là. Et rester ici. Ok. On va reprendre là tranquillement. Petite rotation. Dans l'autre sens. On va écarter les jambes. On va fléchir là. Le bassin, le buste. On garde le dos bien droit, les jambes tendues. Tirez les fesses vers l'arrière. On tire un peu plus pour aller chercher un étirement au niveau des ischios. Et là, dans cette position, on va relâcher le bras vers l'avant, le dos bien aligné. On va écarter un peu plus si ce n'est pas suffisant. Et on va travailler là en hélice. Le dos ne bouge pas. Les épaules qui font la rotation. Et on va chercher loin, plus loin que ses pointes de pied. Ok, on relâche. Là, les épaules vers l'arrière. Voilà, on relâche. Voilà pour aujourd'hui. Bon, j'espère que ça a été pour vous. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont refaire cette séance en replay. Ceux qui étaient sur Insta, je suis désolée, il y a eu plein de bugs aujourd'hui. Voilà, bon, reprise des lives pour l'instant. Je n'arrive pas à en placer plus qu'un le mercredi. Là, je vais difficilement pouvoir en placer d'autres cette semaine, éventuellement le matin. N'hésitez pas à me dire s'il y a des créneaux le matin ou le midi qui peuvent vous convenir, parce qu'il m'arrive très souvent de m'entraîner à des horaires décalés, à pause déjeuner ou tôt le matin, et je serais ravie de partager ces séances avec vous.
sur des horaires un peu différents que ceux du soir. Voilà, bon, écoutez, je vous remercie. Je vais enchaîner par le tournage du 42e challenge 66. Et là, ce sera un spécial fessier. Donc, vous l'aurez dans la soirée si vous avez envie de le faire plus tard ou ce soir. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est quand même pas mal comme séance. C'est court, c'est intense, c'est efficace. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, comme je vous dis, à me faire des commentaires. Je prends vraiment tout pour pouvoir améliorer les contenus. Et donc voilà, j'accepte toute critique tant qu'elle est bienveillante et constructive. Et puis j'en profite pour vous donner rendez-vous soit tous les jours avec le challenge 66 pour 10 minutes de renfo que vous pouvez cumuler hein, si vous en avez. Soit samedi pour mon dernier cours de boxe, cardio, renfo. Ce sera le dernier, mais je pense que je reprendrai à la rentrée parce que, comme je vous dis souvent, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, si vous avez envie de participer à cette séance, c'est samedi à 11h. Voilà, ceux qui sont sur YouTube, bah, n'hésitez pas, pareil, à partager les contenus, les vidéos et à m'aider à développer cette chaîne parce qu'elle a du mal à décoller. Voilà, mais en tout cas, merci pour votre bienveillance, votre régularité. Et voilà, j'espère que vous avez bien transpiré. En tout cas, moi, je suis trempée. Voilà, bonne soirée à tous.